Maintenant, on va faire une séance de la lecture. Comme d'habitude, on commence par le titre. Nadine fête sa maman. Aujourd'hui, le printemps est en fête et c'est aussi la fête des mères. Nadine est pressée de se lever. Il veut faire une surprise à sa maman. Pour lui faire plaisir, il décide d'être gentil toute la journée. Et pour commencer, il va lui préparer un bon petit déjeuner. Pour attraper une tasse et une assiette, Nadine est montée sur le tabouret. Mais comment descendre avec les bras chargés? La tasse risque de tomber et maman va se fâcher. Heureusement, papa arrive. Il a entendu du bruit du côté de la cuisine. « Qu'est-ce que tu fais ainsi perché ?»« Attends mon petit, je vais t'aider. »« Je veux faire une surprise à maman. Aujourd'hui, c'est sa fête. »« Bravo, c'est une très bonne idée. » Papa découpe le pain en tranches et Nadine le met dans le grille-pain. Ensuite, papa fait chauffer le lait pendant que Nadine étale du beurre et de la confiture sur les tartines grillées. Et les voilà dans la chambre de maman. Bonne fête, maman! Nadine lui fait plein de bisous et lui récite le poème qu'il a appris à l'école. Maman a aimé le cadeau de son petit garçon et le serre très fort dans ses bras. Alors, les enfants, maintenant, vous allez me dire quel est le titre de cet album. Allez-y, répondez. Le titre de cet album, c'est Nadine fête sa maman. Je répète, le titre de cet album, c'est Nadine fête sa maman. Qui sont les personnages de cet album? Les enfants, qui sont les personnages de cet album? Les personnages de cet album sont Nadine, son papa et sa maman. Alors, il y a combien de personnages, les enfants? Il y a trois personnages. Nadine, son papa et sa maman. Alors les enfants, vous pouvez me dire en quelle saison se passe l'histoire? Regardez bien les enfants, en quelle saison se passe l'histoire? Oui, l'histoire se passe au printemps. Bravo les enfants, l'histoire se passe au printemps. Bravo!